M'a dit bonjour et à tout travailleur de la presse, par l'écrite, télévisée et en ligne. Et nous disons merci de ce que vous répondez à l'invitation samedi lancée pour une conférence de presse matin. Et merci encore de ce que vous répondez à l'invitation. Et nous allons partager avec vous deux informations importantes. Et d'abord, c'est mon bilan mensuel, m'a présenté là, allant du 29 novembre, non, octobre, c'est ça, 29 octobre au 2 décembre 2021, sous activité non réalisée, et surtout qui concernait ordonnance et dispositif de jugement que le parquet a exécuté pendant mois ça. Et m'a profité de m'annoncer tout, activité de nos comptes réalisés à la prison civile de Cabaret le 14 décembre et activité qui est en perspective et non pour prison civile pour Port-au-Prince quand même. Je veux parler de pénitentiaire national que nous parler vers prisonniers ou détenus pour nous capables de faire une semaine d'audience pour nous voir comment capable travailler sous détention et qui sont priorités pour le gouvernement, une priorité d'abord pour le gouvernement, une priorité aussi pour le ministre de la Justice, Maître d'Orsay Berthaud. Et que Nabdi et Nab salué engagement et encouragement. Nous avons deux secteurs de droits humains comme IMED et Madame Marie-Hélène Gilles, et que qui au même et encouragé nous camper à côté de moi avec doyen pour nous gros pression pour nous capables d'organiser audience à nous. Merci Madame Marie-Hélène Gilles, merci Madame Kétli Julien. Nous gagnons pour 10 positifs de jugement. Nous gagnons 6 paquets à exécuter. Donc si journalistes ont besoin d'informations, on a pour avec greffier Zamor, Kabbanou, copie dans document ça évoqué là. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une conférence fake que nous fait là. Et chaque chanon là, nous gagnons preuve à l'appui. Pour nous corroborer ça nous dit là. Donc il y a 6 dispositifs de jugement que nous exécutons. Lorsque vous parlez de dispositifs de jugement exécutés, c'est un jugement qui rend, par exemple, le jugé maintenant et puis le tribunal là, acquitté. D'accord? Que ces jugements correctionnels, que ces jugements au criminel. Donc, le tribunal a acquitté Mounan, il a déclaré Mounan libre et que pas de recours sous jugement ça. Donc nous exécutons 6 là. Excusez-moi. Deuxièmement, et non, ça qui concerne l'habeas, audience d'habeas corpus, audience extraordinaire d'habeas corpus, nous exécutons 7 ordonnances. Nous gagnons tout ça là, nous gagnons. Pièce à l'appui pour être capable de référer avec Griffiths à mort pour être capable de copier non seulement du code de liberté et aussi copie de ordonnance ça qui rend que ce soit pour dispositif de jugement que ce soit pour habeas corpus. Dans ça qui a ouais à ordonnance main levée, nous exécutons y ont seul déjà et nous gagnons 2 autres, je crois, qui ont qui est en préparation, il faut nous garder. Naturellement, même le VO, pas de recours sur yo, mais certains là-dedans, nous avons gardé pour moi comment être capable de bailler ordre de liberté sur yo. Nous gagnons arrêt ordonnant de la cour d'appel. Et les mettre arrêt ordonnant de la cour d'appel, si nous baillons liberté sur yo, c'est parce que justement, yo
c'est d'abord c'est des ordonnances, arrêt ordonnance qui est infirmé et ordonnance en première instance. Ou bien c'est on met levé, carrément rejoindre et nous-mêmes nous exécuter. Et nous pas capable de recours sur eux. Ils n'ont pas de recours sur eux normalement et nous obligés d'exécuter eux. Et c'est ça la loi dit. Et c'est article 18, code d'instruction criminelle qui bat les prérogatives et compétences à commissaire pour l'exécuter toute décision de justice. S'il estime que, si la loi n'a pas de possibilité de recours sur eux, ou si le commissaire estime que, il n'a pas gagné un motif valable pour le faire recours sur lui. Donc nous exécuter 6 là-dedans. Nous exécuter yon ordonnance de renvoi pour raison humanitaire. Ça, c'est le monde qui gagne 9 mois en prison et peine de réclusion et établie et qu'il fait 9 mois en prison. Donc, lui est malade, très grave. Et nous gagnons yon là-dedans nous exécuter pour raison humanitaire. Donc, nous gagnons ordonnance renvoi là. Et tant nous avons certifié des coups, il a tout qui prouvé que nous avons 9 ans en prison déjà. Donc si nous voulons ouais, avec greffier à mort pour nous document ça. Nous gagnons ordonnance de non-lieu. Nous exécutons 4 déjà. Ordonnance de non-lieu, c'est une ordonnance qui dit dans le motif que pas gagné fait reprocher Mounsayo. Il n'est pas consistant que le juge en charge de ce dossier dit Mounsa met hors des liens de l'inculpation. C'est-à-dire, en clair, il demande pour Mounsa de la libérer, jouer une liberté, l'élargir Mounsa. Et après analyse de l'ordonnance de non-lieu, ça, et il nous dit bon, pas de raison pour nous faire appel. D'une part, parce que fait ou prochain Mounsa n'a pas fait grave. Et d'autre part, notre bataille contre la détention privative prolongée nous dit bon, voilà, nous exécutons. Nous dit que nous exécutons 4 là-dedans. Et pour classement sans suite, c'est un monde qui vient soit dans le tribunal de paix, ou bien dans le DCPJ, dans le commissariat, ils sont déférés vers le parquet. Et arrivé au parquet, nous avons une structure administrative qui est 4, qui a distribué le dossier à des substituts. Et après analyse de dossier, ils ont remarqué que pas gagné, fait reprocher mon yo, c'est pas des faits qui graves. Donc, qui pas porté ni en peine affective ou infamante, eh bien, ils ont choisi élargir mon yo purement et simplement. Donc, nous relais ça dans le langage, pas nous, classement sans suite. C'est-à-dire, et nous, disons, allez la Kaili et que n'y pas gagné, trop charge reprocher. Naturellement, le classement sans suite n'anéantit pas pour autant le dossier. Et que si l'autre monde estimé nous causer le préjudice dans la décision de classement sans suite, là, il y a toujours aller par devant yon autorité et, qui en haut et que le capable aller devant le cabinet de suspension. Donc, mais là, on connaît tout. En cette matière, le commissaire du gouvernement, il est le souverain appréciateur des faits soumis à son appréciation. Et donc, en cela, il jouit d'un pouvoir et d'appréciation qui est capable d'habiliter le soit classer le dossier sans suite, ou bien vouer le dossier à cabinet d'instruction, ou bien vouer et devant opérer la saisine du tribunal correctionnel et au regard de la loi du 6 mai 1927 qui concernait et rapport ça. Il y a un bilan mensuel lorsque vous êtes dans le parquet depuis le 29 octobre à date. Maintenant, et sur l'autre niveau, m'a annoncé que n'a pas gagné audience correctionnelle que le parquet a décana, nous entendons ça déjà. N'a pas gagné 2 audiences correctionnelles par jour qui commencent à partir de lundi prochain. Et que nous gagnons juge qui est en disposé pour capable prendre siège dans l'audience à eux, et que nous avons salué particulièrement le juge Lucien Georges et le juge Martel Jean-Claude. Nous avons salué particulièrement le juge Dumé Kenson
pour me citer ça seulement. Il y a d'autres encore qui est toujours météo disponible pour prendre et siège avec nous. Et donc, ils sont prêts eux-mêmes pour être capables de prendre siège avec nous, pour être capables de commencer à attaquer le problème de détention très, 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 très fort pendant le retour dans le baccalauréat là. Donc, je reprends, on a bien deux audiences correctionnelles par jour à partir de ce lundi et jusqu'à la fin et du mois de décembre. C'est une sorte de task force nous mettait pour être capable de travailler pendant la période de fête là. Mais après décembre, on a continué et mettait en permanence paquet, permanence cabinet d'instruction pour que nous capables de tendre mon yo sous l'égide de la loi du 6 1927 automatiquement au vin là. Si c'est fait ça, il y a un reproché qui est capable d'aller vers la correction dans la ferie pour être capable de paqueter mon nom en détention, voir dans la prison pour être capable de juger immédiatement, il y a des faits au niveau parquet. Et nous gagnons un programme pour le 14 décembre. Nous avons gagné une audience, une journée d'audience dans la prison femme. Donc, mesdames, nous avons un dossier à préparer là pour une cause. Nous venons sur nos cabarets le 14 décembre pour nous capables de voir comment et nous capables de relâcher quelques monde, mais c'est audience. Parce que le ministre a mis l'accent sur 100 piles et moi, tout le monde connaît, moi, tout avocat, jeune ou grand avocat ou avocat adulte, ancien, je connais moi, maître Jacques Lafontaine, moi, très sensible et à la plaidoirie. Moi, je suis plaideur professionnel, je suis plaideur né. Et que maintenant, nous remet plaider. Et ça, ils sont bien qui traversent nous. Vini, monsieur, pour nous plaider à Ferio. Et que le SAN a une décision juridictionnelle qui a sorti sous mon nom, sous prévenu. Et le SAN a bien fierté que nous mettez en prévenu client nous dehors. Et que le SAN n'a pas censé nous travailler. Mais s'il vous plaît, et c'est le seul moyen nous avons là, à part de classement sans suture pour mettre monde dehors. Dans prison. C'est dans audience et c'est exécution ordonnance. Si nous estimons pas les moyens pour nous faire recours, nous avons exécuté ordonnance. Donc, que ça soit ordonnance pour habeas corpus, que ça soit ordonnance de non-lieu, que ça soit arrêt ordonnance de la cour d'appel, qui infimait ordonnance en première instance. Donc, nous pas nous gagnons, c'est les yeux bandés dans l'avancée. C'est-à-dire, nous pas gagnons aucun monde, nous prenons bail faveur. Et en même temps, nous ne pouvons pas nous pouvons faire abus. Donc voilà, monsieur, nous m'invitez nous. Et 14, dans la prison civile cabaret, nous pouvons faire une audience correctionnelle pour nous capables comment nous capables d'adresser les questions de détention à un niveau prison femme. Et nous gagnons audience criminelle sans jury qui est en planification. Nous avons gagné pour nous faire une autre conférence pour nous annoncer qui l'est, qui date à commencer avec lui. Et parce que nous gagnons dernier assise criminelle avec jury. Et nous avons gagné ici à remonter en 2018. Nous n'avons pas jamais gagné assise avec jury. Et la loi fixait et date et délai pour nous capables d'organiser assise à yo. C'est chaque pendant au moins deux fois dans l'année. Tous les six mois. C'est-à-dire qu'on a gagné 12 mois et tous les 6 mois. Et au regard de l'article 182 du CIC, et que nous, tu as dû organiser et assise sa yo avec jury. Mais gagner assise sans jury, et c'est une assise, et c'est sur ordonnance doyen, justement, la fixer jour pour nous faire. Donc maintenant, et assise sans jury, nous sommes capables de faire tout au long de l'année. Et une fois, doyen prend ordonnance pour le fixer. Tenu à 6 ans. Donc maintenant, voilà en gros, ça me devait partager avec la presse matin. Hein. D'abord, et nous gagnons un rapport, ça nous mettait dehors et me dit nous pour et preuve, nous sommes capables d'adresser nous aux greffiers à mort pour ben, nous documents d'appui, pour montrer que ce n'est pas mon appui libéré et concernant la prison, mais c'est avec pièce à l'appui, nous gagnons là, adressez vos greffiers à mort et puis nous annoncer tout, tenu, audience. Deux audiences par jour à partir de lundi prochain. Et nous parlons dans la prison cabaret et nous parlons dans la prison, dans la grande prison tout. Après notre cabaret le 14 décembre, nous parlons dans la grande prison tout pour nous faire audience. Nous parlons vers détenus pour nous capables de faire audience
correctionnel ça yo, mais c'est surtout des dossiers correctionnels, nous pouvons attaquer un dossier à caractère criminel, donc audience criminelle avec jury. Et merci. On parle des classes.